Ouais, on est là sur le site de l'Ice Trail 2014, donc à Val d'Isère. Voilà, bah, c'est une année un petit peu particulière parce qu'il y a des conditions météo là depuis une semaine qui sont vraiment catastrophiques. Donc voilà, ça, les organisateurs essaient de nous concocter quand même un parcours qui reste très original. I feel very excited. It's gonna be great. Voilà, malgré ce matin, on ne savait pas trop dans quoi on allait. On a eu quand même des conditions qui se sont révélées plutôt bonnes sur la première partie de course. Donc, la grande motte, on avait eu du soleil avec une belle mer de nuages, une magnifique vue sur la grande casse. Donc, je pense que tout le monde a pu en prendre plein les yeux et s'amuser. Après, c'est vrai que bah, du coup, cette nuit, il s'était couvert, donc il n'y a pas eu de regel. Et c'est très dur à courir, là, on s'enfonçait beaucoup. Donc, par rapport aux autres années, c'est vrai que c'était beaucoup plus physique. On est parti assez vite. C'était Louis qui a, comme d'habitude, fait un petit peu le rythme. Donc on s'est retrouvé assez vite à trois avec Tom Owens et puis Luis Hernando. Et on est resté ensemble presque une bonne trentaine de kilomètres. Ouais, ça a augmenté tout petit à petit l'écart et voilà, c'est vrai que c'était vraiment une belle bataille. Et puis bah, Louis, c'est vrai qu'il lâche difficilement les secondes, donc ça lâchait pas. Et c'est vrai que bah, c'était vraiment une course très dure. Et puis sur la fin, finalement, il a lâché un petit peu plus. Et puis il y a Fabien qui revient de la quatrième place, prendre une belle deuxième place, une course qui gère bien. Donc non, je pense que ça a été vraiment une belle course, avec plein de rebondissements, assez longue. Donc, comme j'aime bien, c'était parfait. I felt really good, and when you know that you have a big gap to others, you can just run really easy and enjoy, and I had a really good race.